Ça veut toujours pas, je comprends pas. Désolé, vous entendez tout, hein? Je m'en excuse d'avance, mais c'est vrai. C'est pas grave. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Du coup, c'est une VOD, ça sera directement une VOD, ça sera mis en ligne de suite. Dès possible, même d'ailleurs, ça sera mis en ligne. Donc, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est J. Alors, j'ai un gros problème, je vous le dis, j'ai un gros problème de live ce soir. Du coup, ce n'est pas un live, mais c'est dommage. Voilà, je suis dégoûté. Dégoûté parce que je n'arrive pas à me connecter sur YouTube. Donc, j'espère que d'ici là, ça sera réglé ce problème. Après, je pense que ça vient aussi une synchronisation du fait de mon ordinateur. Je sais pas pourquoi, mais alors je vous avoue, il est actuellement 22h. Sur mon PC, il y a marqué qu'il est 19h45. Donc j'ai 2 heures de retard. Mon PC, il a 2 heures de retard, mais il y a eu un problème, je pense, aujourd'hui. Donc ouais, puis de toute façon, même si je lance le stream, j'ai pas de connexion, j'ai rien qui parle d'ici. Donc c'est un peu le bazar, mais c'est pas grave, on va faire ça comme ça en VOD, hein, tant pis. Tant pis, ce sera pas des cinémas. Moi, personne ne veut que je fasse le DLC en live, parce que ça marche pas. Mercredi, ça n'a pas marché. Lundi, c'était limite, ça a marché sans trop marcher. Là, aujourd'hui, ça ne veut pas marcher. J'espère que sinon, ça marchera en vrai. Ça peut marcher. Donc voilà, du coup, comme je vous disais, j'ai des gros problèmes ici. Moi, ce soir, ça ne va pas du tout marcher. Parce que, alors, pour vous expliquer, c'est ma mise à jour YouTube, je ne sais pas pourquoi je n'en sais rien, ça vient de mon logiciel, pour le coup, là, je ne vais pas vous demander. Après, comme j'ai dit, j'ai aussi le fait que j'ai l'horloge de l'ordinateur qui est un peu à la bourre actuellement. Mais le problème, c'est que pour eux, ils considèrent que je suis quand même en live. Mais je ne suis pas en live, les gars. Ça ne marche pas, j'ai rien d'affiché.
Punk. C'est un peu bizarre, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave, hein. On va le faire en gros comme je fais habituellement avec. avec une VOD qui a l'air de marcher plutôt pas trop mal en plus une VOD. Là, c'est pas grave. Mais voilà. Bref. Du coup. Eh bien c'est parti. On va lancer le jeu. Donc du coup ben, ce sera la VOD, j'espère que cette VOD vous plaira mine de rien. On est parti sur la suite. Et la fin de ce DLC sur le 23ème tome de Budokai Tenkaichi. Alors je suis ici. Donc qui va emporter le championnat du monde? Il commence à s'intensifier à un point donc palpitant. Qui va emporter le championnat du monde? Du coup c'est le 23ème championnat du monde qu'on fait. On termine, hein. On termine ce soir hein, le 23ème championnat du monde. Donc la vidéo va durer à peu près, on va dire à peu près. Un peu moins de 2 heures. Elle va durer un peu moins de 2 heures. Non, juste. C'est pas ça, non. J'essaie de passer mon pied pour essayer. Bon, je voulais pas faire bouger la chaise, mais bon. Donc, du coup, ça fait bizarre de avoir le micro à la bonne place. Je suis petit avec ce micro en face de moi. Dans le premier combat de demi-finale, Son Goku cherche à découvrir à quel point les deux guerriers ont tous deux gagné en puissance, tandis que Tenshinhan désire cette fois-ci décrocher une victoire plus convaincante. Un combat très haut niveau est sur le point de se dérouler entre ses anciens finalistes. Et oui, c'est la revanche. Et du coup, c'est la revanche entre Son Goku et Tenshinhan dans ce combat-là. Alors, qui nous a demandé un mariage, bien entendu. On est tous au courant, hein, bien sûr. Shishi voulait se marier avec Son Goku, elle avait déjà l'âge de 4 ans. Elle revient 12 ans plus tard. On va dire c'est 12 ans, je sais pas combien de temps ça s'est écoulé. Je crois que techniquement, je sais pas quel âge elle avait, mais lui au début du manga Dragon Ball, il dit qu'il a 11 ans si je me trompe pas. Donc je sais que jusqu'au premier tournoi, je crois qu'il y a un an d'écart à peu près. Donc je crois qu'il arrive à 12 ans au premier tournoi. Ensuite il y a 3 ans. 3 ans c'est cool, non 4 ans c'est cool après pour le deuxième tournoi, donc ça fait 16 ans. Mais je crois que dans l'histoire il a 16 ans là en fait, je crois que là il a 18 ans, un truc comme ça, je sais plus, je m'en rappelle plus. C'est vraiment le même temps. Ah, bon, la même chose. Comme ne peut pas voler. Du coup, ouais, je voulais aller au restaurant. それにしてもまさか神様が一武道会に参加してるなんて思わなかった。いらっしゃいませ。J'ai compris, ça y est, j'ai compris, en fait il faut changer, d'accord. Très bien, j'ai tout ça en ticket repas. Ok, enfin voilà, ça peut travailler en plus quoi. Ouais, je pensais qu'il y avait un mini-jeu ou un truc comme ça, d'accord, okay, en fait ça c'est juste ouais, c'est ce qu'on voit quand tu fais habituellement avec Shishi, Bulma, Son Goku qui bouffe, voilà. Ouais, on rappelle qu'on est qu'au niveau de 16, je crois. De 300. Oh, on n'a pas fait grand chose. Oh la vache. Ouais, quand on est niveau de 13, on est niveau 13. Quelque chose par là. Bon, mais du coup, on va avancer dans l'histoire. Franchement, je vois pas l'intérêt de continuer à faire ça. Juste ici, on va voir la communauté, tableau d'âme.
するさ。Et ouais, mais Sango, ouais, mais Sango, je veux le laisser avec son père aussi. Ça va être compliqué d'avoir tout devant. On a tout, hein, on a déjà tout, mais ouais, c'est très très compliqué. Du coup. Ben attends, en vrai, ce copain, on a pas fait ça. Histoire. Sangoku a vaincu le roi des monstres, sauvant le monde de sa menace, une fois de plus. Le jeune garçon a achevé un entraînement de 3 ans et s'est rendu au 23e Tenkaichi Budokai. Les retrouvailles tant attendues avec ses amis étaient inévitables, ainsi qu'avec un grand nombre de concurrents en motivation diverse. Piccolo Junior, l'incarnation du roi Piccolo, sur les traces magnifiques de son prédécesseur. Tao Pai Pai, poussé par le maître des grues à se venger de Sangoku et de ses amis. Un guerrier anonyme animé par un sérieux contentieux. Et Shen, un homme qui possédait par le Tout-Puissant, a rejoint la mêlée. Au cours de ces péripéties, Krillin et Yamcha et Tengu ont été éliminés. Tenshinhan, quant à lui, ne fait plus partie de l'école de rue. Sangoku s'est fiancé à la mystérieuse guerrière qui s'avère Chichi. Après cette série d'événements incroyables, il ne reste plus que 4 combattants. Sangoku, Tenshinhan, Piccolo et Shen. Tenshinhan a remporté le deuxième championnat du monde de justesse, touchant le sol juste après Sangoku. Le roi des monts Piccolo allait se réveiller de son sommeil juste après ces événements. Ces agissements ont coûté la vie à Krillin, Chaozu, Tortue Géniale et même à Shenron. Heureusement, Goku a pu tous les ressusciter du royaume des morts. Bon, ça, c'est ce qu'on avait fait au début. Sangoku, tiens. Sangoku de la 23e Budokai était caché. L'apparence de Sangoku lors du championnat du monde après 3 ans d'entraînement brutal, pas divin, sa poussée de croissance inattendue, sa carrure musclée et ses cheveux enveloppés dans un turban ont empêché Bulma et Tortue Géniale de le reconnaître. Inconscient du fait qu'il avait énormément grandi, Sangoku a d'abord cru que ses amis les avaient rapetissés. Bah, après, il a passé 3 ans avec le monde. Piccolo! Piccolo comptait faire de Sangohan un membre du clan des démons après la bataille contre les Saiyans. Mais les 6 mois qu'il passa à s'occuper du jeune guerrier réveillèrent en lui une part de tendresse qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Sangohan lui aussi avait appris à compter sur Piccolo et une relation maître-élève s'installa dans leur duo. Elle continuerait pendant longtemps. Bah, en fait, il est devenu l'élève de l'école. Enfin, il s'est devenu l'élève de l'école des démons, quoi. Sangohan. Et ça, il ne réussit pas, hein. Élève de Tortue Géniale et grand ami de Sangoku, il s'inscrit au 23e championnat du monde où, en compagnie de Sangoku, il se qualifie pour l'événement principal. Krillin a affronté Piccolo lors de son premier combat et a essuyé une défaite. Malgré ce revers, son adversaire du jour a été impressionné par sa capacité au combat. L'apparence de Krillin quand il est arrivé à Tenkaichi Budokai après avoir subi un régime d'entraînement intense. Il a gagné en stature et est fanfaronné d'avoir grandi avant de croiser Sangoku et sa poussée de croissance vertigineuse. Cela dit, leur réunion en championnat lui a permis de remercier enfin son ami de l'avoir ressuscité. C'est vrai que, comme j'avais dit, ils ne sont pas revus depuis. Ils n'étaient pas revus. Hein. Tenshinhan. L'apparence de Tenshinhan quand il est arrivé au Tenkaichi Budokai, inspiré par le régime d'entraînement que suivait Sangoku au palais divin et le Tout-Puissant, il est lui aussi parti suivre un entraînement rigoureux. Il rejoint le tournoi non pas sur les couleurs des Kolagu, mais avec sa propre tenue. Ancien élève des maîtres des grues, il est mort aux mains du roi Piccolo, puis ressuscité par les Dragon Ball. Après 3 années d'entraînement, Chaozu s'est inscrit au 23e championnat du monde et s'est retrouvé face à Taiyo Pai Pai Cyborg lors des qualifications et a été éliminé du tournoi en se faisant carrément blessé. Pour Chaozu. L'apparence de Chaozu quand il est arrivé à Tenkaichi Budokai, après s'être entraîné avec Tenshinhan, il rejoint le tournoi non pas sur les couleurs de l'école des rues,
Mais avec sa propre tête. Bien, chat. En ce moment, l'élève Tortue Génial s'inscrit au 23e Tenkaichi Budokai où, en compagnie de Sangoku, il se qualifie pour l'événement principal. Yamcha a perdu son premier match contre Shen. Il n'a pas su compenser la considérable écart de puissance qui le séparait de son adversaire. Après, c'est Yamcha quand il est arrivé au Tenkaichi Budokai, après avoir terminé un régime d'entraînement intense, motivé par les combats de Sangoku 3 ans auparavant, il décide de suivre son propre chemin pour devenir plus fort. Son style a bien changé depuis le dernier Tenkaichi Budokai. Il a l'air bien plus sauvage qu'auparavant. C'est pas pour autant qu'il n'a pas empêché de mourir. Ok. Ça c'est bien bizarre. Alors, on s'en fout. On n'en est pas, on a qu'à se cacher sous les draps. Comme on a des pieds de toi, j'ai la télé. Bon. Commentateur. Animateur, journaliste, arbitre, l'éternel commentateur du championnat du monde jongle entre plusieurs casquettes. Ce professionnel assidu bravera tous les dangers pour poursuivre sa mission sur le terrain, tout en arborant sa coiffure pompadour et ses lunettes de soleil. Depuis le 23e championnat du monde, il arbore une moustache d'enfer. La défaite de son mentor Muay Taito lors du combat contre le roi des monts Piccolo enlève au maître de la grue toute notion de justice. Il s'est alors séparé de Tortue Géniale pour emprunter la voie du mal. Ainsi, l'éveil au sens de la justice de son élève Tenchinan, puis sa trahison sous l'influence de Tortue Géniale furent l'illumination trop. Lors de l'affrontement entre Tenchinan et Taiyu Papai, l'envie de meurtre du maître des grues à l'égard de son ancien élève a éclaté au jour. Lorsque Taiyu Papai était un être de chair et de sang, chaque mission d'assassinat leur apporta coquette somme de 100 millions de zenis. Il a rassemblé l'argent cumulé grâce à son travail et l'entièrement investi dans sa résurrection sous la forme de cyborg. Tao Pai Pai, avant sa défaite et face au jeune Sangoku et sa transformation en cyborg, assassin vétéran comptant une vingtaine d'années d'expérience, il a été engagé par l'armée du Ruban Rouge pour se débarrasser de son frère cadet du maître des grues. Tenchinan idolâtrait Tao Pai Pai à l'époque où il voulait lui-même devenir un tueur professionnel. C'est vrai, c'est ce que j'avais dit en plus dans la vidéo. Pardon. Ah, c'est le château, attends, c'est le château de Rouen. Les ruines du château de Rouen où vivait jadis le souverain de la Terre. Au cours du combat acharné entre Sangoku et le roi Piccolo, la vague explosive de ce dernier a soufflé toute la structure, créant un terrain vague à l'endroit où se trouvait autrefois le palais. C'est là que s'affrontent les guerriers les plus puissants du monde entier. Ouais. Et de toute façon, on va loin bientôt. Hein, si je comprends pas comment c'est. Ouais, ça. Avant sa reconstruction, le théâtre des 21e, 22e et 23e championnats du monde auquel ont participé Sangoku et ses amis était beaucoup plus petit. A l'époque, les qualifications se déroulaient également sous forme de combat. L'arène était donc située à l'intérieur. Ah, est toujours située à l'intérieur. Hein? Faut baisser, on s'en fout. Un casino terrible tout à l'heure. Ouais, ça va pas venir. Désolé, j'essaie d'avancer un petit peu parce que je vous avoue que je suis un peu fatigué aussi. Ça, j'ai un peu mal aux yeux. Ah, essayons de choper la bonne. Essayons de choper la bonne. Il n'y en a qu'une. Faut la trouver. Elle est là. Maintenant, tu devrais pouvoir remonter de 7 ans avant que les cyborgs, le moment est en fait venu de terrasser les cyborgs. Possible ça. Ah mais elle était là. D'accord, bah ouais, je l'ai pas vu. Les plus grands guerriers de la Terre se rassemblent. Faisons tout notre possible jusqu'à ce que Sangoku arrive. C'est une ACL Arine. Allez, ok. Encore? C'est pas possible. J'essaie de bien regarder.
5 jours. Vraiment, super beignet, tir rapide. Mes papas gagnent en amélioration de puissance immense quand ils fusionnent. Mes papas. D'accord. Très bien. Ça y est. Ça y est. Allez, musique. On avait dit qu'on allait voir jusqu'à péter le spell. Allez, c'est parti. On y va, let's go. On est en 21 minutes, super. Tout va bien. C'est un truc, j'ai pas regardé. Parce que lui, il a une arme de compétence ou pas? Ah oui, il a une arme de compétence, c'est bien. Merde, c'est con parce que j'avais fait pour. J'ai rien, les gars. Le truc, c'est qu'il n'y a rien à faire. Pas aller ailleurs sur la carte, donc c'est bien. Non, c'est bien, c'est pas grave. C'est vrai. Vas-y, c'est tout ça. Trop bien. Pour la fois, j'avais ça. Bon, on y va. Alors, c'est ça. 次は準決勝第一試合です。孫悟空は、あ、それで。さあ、準備が整ったようです。それでは、二人に入場してもらいましょう。飛ばしていくつもりだ。もちろんだ。見せてもらおうか、修行の成果を。では天下一準決勝第始めてください。俺はこの時をずっと待っていたんだ。前の天下一武道会は確かに俺が勝利した。だからあれは運が良かっただけだ。今回は運ではなく実力で、はっきりとお前を言ってやる。まあ、運も実力のうちだろ。とたくんはたおとげとにかく強くなったか。遠慮なしでやらせてもらう。チン選手と孫悟空選手は3年前の天下一武道会で決勝戦を戦った猛者であります。果たして今回はどちらが勝利するの。なるほど、あの頃より技の切れが数段上がっている。俺とて厳しい修行を続けた。この勝負プライドにかけて絶対に負けん。天津飯選手ガード、攻撃を警戒しています。天津飯選手攻めづらい。孫選手の攻撃に備え天津飯選手ガードの姿勢です。孫選手猛攻撃、天津飯選手の反撃を許しません。今だ。果たして何が起こっているのか。すごい攻撃です。ソウル選手強い、強い。攻撃し続けています。さすがだって、それをものともしないとはな。だが俺の目は倍を捉え、逃しはせんぞ。これはとんでもない。まさに息をする暇もありません。よしよしよし、反
反撃を許しません。早すぎて実況が追いつきません。孫選手の攻撃が遠心派選手に入ります。反撃を許しません。多数これだけ動き回る。やはりこの試合はあっさりと決まることはない。お前との勝負はそうでなくては面白くない。ま、間違いありません。両者3連敗の決勝よりはるかに実力が上がっており、攻撃が続けざまにヒットしました。孫選手の攻撃が遠心半選手に入りました。体温まってきたぞ。Première phase, et bien une deuxième. Et si ça suit, si ça suit l'anime ou le manga, il y a une deuxième phase de combat. Son Hyo, omae wa mattaku sugoi yasu da. Ano 3年前の強さはまさに完璧だった。そいつをさらに上回るとは恐れ入ったぜ。おめえだってやっぱすっげえや。相当修行したんだな。もちろんだ。負けたくはないからな。これはまたとんでもない試合。まさに息をする暇もありません。あ、ちょっとたまな、と服脱ぐからな。服？ああ、しろ。暑いからな。ああ、ちょっとここで息をつくようです。孫選手、道着を脱ぎ始めました。すみません、この暑さ、あれほど動き回れば。よっ。ああ。孫、このシャツちょっと見せてもらっていいか。ん？ああ。何？孫、お前。今まで こんなのを着て戦っていたのか。あ、神様がな、これも修行だって。リストバンドも、まさか靴もそうなのか。うん、亀仙人のじっちゃんの時もさ、亀の甲羅背負ってたけんど、同じようなもん。のんびりしてんだよ。俺が片付けてやら。ああ、悪いな、クリリン。気つけるよ、おめえからな。なんだよ、こりゃ。おめえ、これって普通の重さじゃねえぞ。だろ？片っぽだけで20キロだもんな。足がだるくなっちゃってさ。よし、と。全部で100キロ以上ある。なんと驚きました。これまでは重い服を着て戦っていたんです。それであの動きをしていたわけですから。いやはや言葉が出ません。軽くなった軽くなった。お待たせ。なるほど、これで速くなるわけか。いいだろう。俺がその気なら、俺もとっておきの必殺技を披露するまで。とっておき？一体どんなんだ？お前がいくら身軽になったとて、十二の目から逃れられるかな？十二の目？死神の剣。てんだ、残像剣じゃねえ、みんな本物だ。その通りだ。まさかの4対1。これは選手どのように対処するのでしょうか。やっぱおめえはすんげえよ。めえの天下一武道会からずっと強くなってる。
ほらワクワクが止まってぞ。悪いなソン、今回も俺が勝たせてもらうぞ。へへん、そうはいかねえぞ。確かにおめえの技にはびっくりしたけんどさ、とオラだ。では決着をつけるとし、お前か俺か、どちらが上かはっきりさせるぞ。ああ、この指針の剣を破れる者はいない。そんなやつスピードが。お願い、4人で組んなら、オラスピード。4人を相手によく粘るぞ。いいだろ、ますます面白くなってきたぜ。4人の天心選手相手に孫選手は、さすがの孫選手もどちらも本当に強い。今できることなら見ていたいですが、これは勝負であります。引き分けはありません。どっち勝利の女神が吠えるのでしょうか。向かい合って追い詰めることができる。追い詰められんな。強がりはよせ。強がりじゃん。さあこの勝負最後は一瞬で決まる。ほら、わかんない。今だ、天心反省中、強烈な連続攻撃を受けてしまいました。ハン選手すごい気迫です。まるで空気がどうです。ソン選手、攻撃に備えガードの姿勢です。ソン選手のラッシュが天心ハン選手を、シュプラボシュプラボンデザイン。ソン選手もついに3人目の天心ハン選手も残り2人。孫選手の攻撃が続けざまにヒットしました。孫選手の攻撃が続けざまにヒットしました。天心ハン選手を圧倒しています。ガチューバーだね。孫選手の攻撃が続けざまにヒットしました。天心の攻撃が続けざまにヒットしました。孫選手の猛攻撃、反撃を許しません。孫選手気合を入れました。天心ハン選手攻撃が続けざまにヒット。孫選手ものすごい驚いたけど、この技もうオラには通用しねえぞ。なんとソン選手、数的不利をものともせず互角、それ以来天心ハン選手と戦っております。うわ、やっぱおめえとの試合は面白いや。でもそろそろ勝負決めねえとな。天心ハン勝っててもらう。バカな子、へへん、その技の弱点もう分かってんもんね。弱点だと。4人になったな。なんとへへん、勝った。おめえらしくねえ疾病だったな。4人になったのはすげえ作戦だったけどさ、4人に分けたから攻撃も守りもスピードも全部4分の1の力になっちゃったもんな。こうもあっさりと見破られるとはな。カンパ武空使う暇もなかったぜ。あ、どうも
場外です。一心半選手まあの場外ペー孫悟空選手決勝戦への進出が決定いたしました。悟空のやつ、あれほど動いたにもかかわらず息が乱れておらん。今の悟空の一番恐ろしいのはパワーでもスピードでもないとんでもないほどのタフさを身につけたことじゃ。やっただな悟空さん、すごかったよ。ほらぶったまげちまった。とんでもない武道家になっちまったんだな。へへ見直したろ。惜しかったな。いや、惜しくない。はっきり言ってあいつの強さは桁違いだ。まさかここまで腕を上げているとはな。いや、孫悟空はそれや。Normal prochain combat ce serait… Je veux pas le dire。さてと、いよいよか。父、ちょっとおめえ表に行っててくれっか。え、ああ。le tout puissant est prêt à passer à l'action par la chaîne。悟空さん、一体どんな修行してあんなに強くなっただ？はあ、神様のとこで修行してたんだ。神様？次はあのシェンとマジュニアの試合か。二人ともそこが見えない強さだし、どんな試合になる？ほらもういろいろと気になることがあんだ。天津飯との試合よかったぞ、悟空。どこまでつっなってんだよ、お前は。まったく。ほら今回は絶対に負けらんねえかんな。あのマジュニアかシェンのどちらがっても負けるなよ、悟空。マジュニア、マジュニアなわけだから。ソン、さっきの試合は俺の完敗だった。しかもお前にはまだ余裕すら感じる。驚きだよ。天津飯もいろんな新しい技出してきたし。次はお前の実力をもっと出させるくらい、さらに鍛えなければな。試合が始まりますから、用事はすぐに済まって。神様。そんか。気がつかなかった。そんなことしてんだもんな。ちょいと人間の体を貸してもらったのだ。ピッコロのやつを倒しに来たんだろ。なんでわざわざ神様が。孫悟空よ、お前ミスターポポから私とピッコロとの関係を聞いたのではないか。私とピッコロは一心同体、もともと一人の人間だったということを。そしてポポを殺せば私まで死んでしまうことまでされてしまった。それを知ってしまったお前は、ピッコロを倒すことはできんだろう。殺さずに、なんとかすっさ。なんとかなるような甘い相手ではないこともよく知っているはずだ。もともとが私が蒔いた種だ。自分のことは自分で解決したい。剣道よ。お前の修行はほとんどミスターポポに任せておいたから、実力のほどは今一つ定かではないが、今のところを食い止めることができるのはこの私しかいないと思っている。まさか相打ちして死ぬ気じゃねえだろうな。神だって命は惜しいぞ。それに神が自殺行為をするわけにはいくまい。心配せんで、良い方法を人間が教えてくれたのだ。さて、自分と戦いに行くか。
さて、この準決勝第2試合でもう一人の決勝戦進出者が決定いたします。これまた素晴らしい5試合が期待できそうです。2人とも無名の新人でありながら超達人、マジュニア選手とシェン選手との一戦であります。おじけづいて逃げてもよかったんだぞ。そういうわけにもいくまいよ。さあ、準決勝の試合です。始めてください。あっさりと片付けてやる。この俺の標的は貴様などではなく孫悟空なんでな。孫悟空を抹殺し、邪魔者のいなくなった後で再び世界征服を狙うつもりなんだろう、ピッコロよ。なぜそれを。この場で俺のことを知っているのは孫悟空だけのはず。あ、そうか、そういうことか。貴様の正体が分かったぞ。その姿は借り物ということか。下界に何の用だ、神め。今頃分かったか、プロ大魔王よ。下界に来たわけは言うまでもなかろう。まさかこの俺を退治しに来たとでも言うじゃないだろうな。まさかではない、その通りだ。一体どうしたのありましょうか。シェン選手、何やら激しく言い合っておりますが、さっぱり言葉が分かりません。聞いたこともない言葉です。ピッコロ様を退治したと貴様迷った。貴様と俺とはもともと一心同体だ。俺を殺せば神である貴様も死ぬことになるぞ。そんなことはもちろん承知しておる。まさか自殺する気じゃあるまいな。心配せんでもいい。自殺などせんでもお前の悪を食い止める手段を人間が教えてくれたぞ。覚悟は良いな。まさか。マフーバだ。しまった。こんな。せめてこの人間の体だけでも返さねば。そうよ。わしでも構わん。こいつを世を清めて。このピッコロ様にいつまで同じ手が通用すると思ったら大間違いだ。もはや俺様に弱点はなくなったんだ。ダウンです、シェン選手。そこに倒れている男はただの人間だ。気がついたところでどうしようもあるまい。ワン、ツー、フォー、ファイブ。あのちっこい瓶の中に吸い込まれちまった。出ていた。9、10、当てません。マジュニア選手で勝利、決勝戦進出を果たしました。あれは完成。マジュニア、ジュニア、そうやってとせん、そこはこんなんじゃ。どけ、その瓶オラによこせ。冗談じゃない、せっかく鬱陶しい奴を封じ込めたんだ。さあどうする。これで俺様を殺さん限り瓶は戻らんぞ。だが俺を殺せば奴も死ぬ。困ったな。
もし、シェンさん、大丈夫ですか？いちち。ん？よかった。気がつきましたね。あれ？ここは？ひょっとして、天下一武道会の試合をする？え？そうですよ。バレましたか？変だな。わしゃいつの間にこんなところで？酒でも飲んだっけ？いや、これはどうも。あらら、なんか別人になったみたい。ん？そういや、亀仙人のじいさんは？あれ？さっきまでいたのにどこに行ったんだろう？ほっときなさいよ。どうせトイレか女性のお尻を追いかけに行ったんでしょう。De suite originale catégorisée. Chikishou! Oh! Ano yarou, kami-sama! Son, oshiero! Ano Majunia toyu yatsu wa nani mono nanda? Funiki de mazok no mono datto wa wakaru ga, ano tsuyousa wa tada mono. Sono tori ja. Gokuu yo, wakito hanase. Ah, Muten-roshi-sama!もう隠してても意味ねえかな。正直に話す。あいつはピッコロ大魔王だ。何だと？バカな。ピッコロならお前が完全に退治したはず。ああ、確かに倒した。でもどうやらピッコロは死ぬ前に卵を残したらしいんだ。その卵にピッコロのすべて。だから。その卵が生まれたあいつはほとんどピッコロと変わりねえんだ。俺は見たぞ。今のマフーバでシェン選手から。そうだ、シェン選手の体からもピッコロのようなやつが飛び出して瓶に吸い込まれた。あ、ピッコロじゃねえ。人間の体借りてピッコロと使ってた神様だよ。神様だと？神様。ピッコロはもともと一人の人間だったんだ。神様になるために捨てた悪い心がピッコロになっちまった。だからどっちも相手を殺せば自分も死んでしまった。なるほどな。自分を殺さずに相手を消し去るにはまさにマフーバはうってつけじゃ。そのマフーバっちゅうやつで神様は瓶に閉じ込められちまったんだけど、元に戻れるんか？蓋さえ開けられればな。どうすんだよ。瓶は奴が飲み込んでまったし、なんとかし、あいつの強さは異常だぞ。確かに。はっきり言って神様が負けた以上、今の俺たちでは、取ってかかって。この中で可能性あるとすれば、悟空、お前だけだ。すまんの。マフーバも通用戦今となってはお主だけが最後の望みじゃ。大丈夫、オラがなんとかすっさ。大丈夫って、策でもあるのか？大丈夫どう？やってみなきゃわかんねえだろう。おいおい、さてと、決勝が始まる前に何してよっかな。あ、悟空さん待ってけろ。あれは余裕なのか、開き直りなのか。わからん。けど、昔から不思議な感がありますよね。今回も期待していいでは。C'est la phase finale, là, de la fin. C'est la phase finale, là, de la fin.
Ah, on connaît déjà un morceau du soleil, ok. Bon, après, on va super caméra. On va passer caméra. Voilà, je vais rien faire de plus. Ok. Du coup, on va soigner parce qu'on a fait ça. C'est génial! Ah, t'as un truc là. Oh! Nanka Yutsu! Un truc là. Ah, vas-y. Ça a été facile. Qu'à peine d'être 4 points d'expérience. Oh là là, ridicule. Ça quelque chose. Oui, j'ai besoin peut-être d'énergie. Domo. 350. Je vais en prendre un. Mata kite kure yo. Ah, c'est juste pour ah, ça va être chiant. Irasshaimase. Ah. Mata dozo. OK.
うございました。Est-ce que ça représente quelque chose? Ça donne des soins? Ça donne quoi? Plus 10 au PV. Ok, ça va servir à rien. Ok, donc j'ai plus de soins, j'ai plus rien. Tout va bien. C'est la finale. Voyez, oui, relou, on est bon là, on est bien, hein, on est très bien. いよいよ次は決戦です。準備はよろしいでしょうか。わかりました。ご来場の皆様、お待たせいたしました。いよいよ決勝戦が始まります。天下一の達人は果たして孫悟空選手でしょうか。マジュニア選手でしょうか。Junior. では、両選手どうぞ。じゃあやってみっか。頑張れよ悟空。死ぬでねえぞ。ほら新婚早々未亡人なんて嫌だべ。なこと別れを惜しむ必要はないぞ。貴様を殺した後すぐにこいつらもあの世に送ってやるか。そんな。ねえさ、さあ第23回天下一武道会、天下を取るのは果たしてどちらでしょうか。覚悟はできたか。何のことだ。もちろん死ぬ覚悟だ。le combat est attendu.Est arrivé. L'affrontement ultime contre Piccolo Junior. Tenkaichi Budokai, Ketchosen! Hajimete kudasai! Je me suis dit qu'à l'heure. Piccolo-sama no jitsuryoku wa to kurabe mono ni naran zo! Soya, ora datte da!ついに始まりました。第23回天下一武道会。あいつごめんなさい。果たしてどちらが天下一の座に立つのか。固唾をのんで見守っています。3選手の攻撃。貴様さえ消せばあっという間にこの名前どれ差し合う。オラを倒すだろうな。貴様は他の雑魚とは違うな。ハン選手の猛攻撃。ハン、やったね。そろそろ様子見だ。やめしようぜ。サン選手の攻撃が続けた。なぜこのフィナリデイセイだ。サン選手強すぎ。フェスレンブ。それ以上ものすごい試合です。世界でトップ中のゲットを繰り広げております。この俺様にものなどおるはずない。ハル選手の攻撃がクリア選手に入りました。すでにこの程度じゃ終わんねえか。いや何をしてくれ。Ça, c'est pas des gros gains d'expérience qu'on gagne. Kaiji Omurotomo, Kitobashi.
私に。あ、なんてやつだ。これ。おのれ。この俺様に一瞬とはいえ恐怖を与えおったな。ものすごい攻撃でした。しかしマジュニア選手、信じられないことにこらえきりました。あれはて、どっかでに似てるぞ、ピッコロ大魔王に。ピッコロ大魔王。そういえば、本当だ、似てる、そっくりだ。似てて当たり前だ。この俺はピッコロ大魔王の生まれ変わりだ。世界中に知らせておけ。孫悟空の息を止めた後、再び貴様の王になってやる。ピッコロ様の天下がよみがえるのだ。あっ、その飛びってくれるかい。すごいな、パパリカだよ。いいこと。マジュニア選手は実はピッコロ魔王だったのです。引っ張り込まれていく。今みんなも少し離れてくれ。その方がオラも叩けやすい。わかった。ゴミどもが散って静かになったぜ。言っとくが、おめえなんかに天下は取らせねえかんな。そういう自信にあふれた生徒は次の技を見てから言うんだったな。ほーっ、敵は静かったジコーフィンバイドブルスーパースーパーをギギいよいよこれで貴様の最後が見えてきたな。でっけぇ。あれ、ラスフィタ。デゼンファル。マジュニア est en forme de géant. Tu peux verrouiller sa jambe droite ou sa jambe gauche pour attaquer. Junior se trouve sans défense. Je crois qu'elle jauge directement en atteint 0. Ce qui permettra de donner l'assaut directement sur sa tête pour afficher plus de dégâts que sur n'importe quelle blessée plus jambe. Essaye de l'assommer et de l'infliger des lames.これで貴様に勝ちよ。やっさりと潰してやる。でかくなっただけじゃねえか。果たしてでかくなっただけだと。とんでもないことになりました。攻撃が続けざまにヒットしました。巨大なマジュニア選手を相手に臆しません。孫選手ものすごい連続攻撃で攻めていきます。すごい物怖じせず挑んでいきます。はい、進め。同時せず挑んでいきます。でかけりゃ自分場外に落ちる。そんなこともねえ。そう、この後に及んでバカなこと。貴様が考えるべきは自分が死なない方法だけだ。ピッコロ、この命に神様をどうにかしなきゃなんねえ。さあ、どうしたもんかな。限界地武道会会場周辺の観客、限界地武道会会場周辺の観客はほとんどなくし、私の島を離れた。どちらが勝つか見届けるまではこの場を離れ。
crainte. Il y a vraiment trop vite, c'est tout de fou. それぐらいの大きさだったら怖くなんかねえさ。もっともっとでっけんだったらやべえけんどな。これ以上大きくなれんとでも思ってたのか。まさかそれで目いっぺえじゃ。見るがいい。まるで山です。さあどうす。引っかかったな。なるほど。あわっ、なんでキルのか。天使犯、こいつを。これは一体そうか、私はマフーバを跳ね返されて。神様ですな。悟空のやつが見事な作戦であなたを救出したのです。悟空が。元に戻るんか。また体の中に入られちゃまずいもんな。この俺をここまで。許さん、絶対に許さんぞ。何もかも吹き出してくれる。ピッコロの賭けを受けてみるはいい。なんてものすげえ気だ。このパワーだ。こりゃ、とんでもないぞ。逃げろ。今すぐこっから離れるんだ。ほら、これで見せる。おい、いつって五条を張るつもりか。一緒に逃げろ。もうみんなが脱出する時間ね。おいみんな、死にたくなかったらこの穴に飛び込め。よし。無理するんじゃないぞ。無理だ、ソン。てめえ、元もじゃねえよ。神だかなんだか知らねえが、とっかえりやがれ。死ね。Je sais plus le nom de la taille vraiment qu'elle fait ça. L'affrontement prédestiné entre Sengoku et Piccolo Junior est bien plus qu'un simple combat dans un tournoi. C'est le sort du monde qui se joue. Piccolo Junior, je vais pas l'appeler Ma Junior, c'est Junior à la base, en français, c'est Junior.Et après, il s'est transformé en Piccolo, et même dans les premières versions de l'animé du manga, c'est Satan Petit Cœur. Je préfère Piccolo, honnêtement. J'ai gagné! Je suis le vainqueur. Je suis vainqueur. What the? Goku! Nani?
うだ、なんとかこらえちゃったもんね。そんな、おめえに勝ち目はねえ。今ので残った全ての使い果たしちまったはずだ。よいしょ、いただき。Allez, troisième combat. Allez, où toi? Ça, pas que mon gars. Il y a un peu de temps.一か八かの賭けだったけんど、こうなっちまえばオラの勝ちだ。あれはいいか、地獄を見せ逃がさんぞ。魔の世界、俺様は。C'est pas un autre combat. Là, je sais plus comment.
j'ai un doute à savoir si c'est un autre combo ou pas. Ah si, si, il y a la suite encore. これはひょっとして死んでいるのでは？死んじゃいねえさ。こいつは。ではカウント。ワン、ツー、フォー、ファイブ、セブン、エイト、ナイン。Et encore une fois, baisser sa garde, ça vaut le coup. だが、残念ながらここまでだ。まずは右足、左足。で動くのは左。だが前の戦いでは腕を一本残してしまい、父は破れた。刺激を食らうがいい。殺される。グーが死んじゃうぞ。おい天やら、この私をしてくれ。そうすれば奴も死ぬ。しかし早くせい。神は自殺はできん。それ以外に孫を救う方法はないぞ。やめろ。そんなことすんな。Je l'ai dit la dernière fois, c'est le plus gros combat qu'il ait fait quand même. C'est le combat contre Piccolo au début. Que ce soit le roi des démons ou même Satan Petit Cœur. いくらシャンロンといえど、これではもう復活はさせられまい。勝ったぞ。孫悟空は死んだ。恐怖に満ちた魔の世界を復活できるのだ。そんな畜生、よくも悟空を。最悪の事態になってしもた。ついでに貴様たちも復活をしてやる。あの世で孫悟空と対面するんだな。なんだと？くそ。ん？ん？なんじゃクリリン。天津飯さん、目がいいだろ。あれ、ひょっとして。
撮影に出会う。審判のおっちゃん、場外落ちただろう。え、シエさん、おら勝ったよな。そういえば確かに、ここは場外、孫選手の勝ちです。孫悟空展開優勝。やったー、悟空さん。やったなお前やっぱりすげえよ。最後の一撃を武空術で避けるな。驚かせやがってこの野郎。オラ優勝したぞ。え、でも大丈夫か、お母さん。あんまし大丈夫じゃねえ。すぐに心配無用だぎゃ。俺が先祖を持ってきてやったんだわ。あ、お前は。やじるべ、なんでここに。ちょっと様子を見に寄っただけだわ。そしたら急に爆発してもんだで、とっさに隠れて。で、そんなことはどうでもええでしょう。ほら、げ。ありがてえ。武道会で優勝したぞ。ブレトネファなんと。やべ、待て。なんだソン。そりゃこっちのセリフだよ神様。で、何をする気だったんだ。こやまだ生きておる。息の根を止めねばならん。生かしておいてはならんのだ。ピッコロ殺せばあんたも死ぬんだぞ。そうならシェンロンに頼んで私だけを復活させてくれればよい。神様が嘘をついてもいいんか。何ドラゴンボールとシェンロンはもともと神様が作ったんだろ。だから神様が死んじゃったらドラゴンボールとかも消えてなくなっちゃうんじゃねんか。それは本当ですかな。この私なんぞ、もうとうの昔に神をやめるべきだった。いう恐ろしい海、その力は神をも超え混乱に陥れた。そんな私に神のろうはずがない。死んで当たり前なのだ。ジョコ、世を再び平和に導かれたのもあなたですぞ。あなたの作られたドラゴンボールがなかった、今の孫悟空やここにいる者たちの成長や出会いはなかった。たった一個のドラゴンボール、全てが始まり、そして世を。ソンよ、良い人に出会い育てられた。うん、ちょっとエッチだけんどな。いやわしは基本をちょっと教えただけ。ここまで成長させてもらったのはあなたやカリン様が。はっ。お、やはりお前は亀マークのついた道着が一番似合うわい。サンキュー。やじろべ、先祖もう一粒くんねえか。一つじゃ足りなかった。ほれよ。サンキュー。食え、元気になるぞ。
おい、お前、何するんだ。おめえがこのまま死んじゃった神様も死んじゃうもんな。それと宿敵がいなくなっちゃってもちょっとだけ寂しいしな。その甘さが命取りになる。今日のところはこのまま引き下がってやる。そのうち必ず貴様を倒し世界を射止める。次に会う日までせいぜい楽しんでおくんだ。もっと強くなれピッコロ。ほらその強さをもう一歩置いてみせる。あんなにチビだった孫くんなのに今は山よりも大きく見えるなんてね。悟空さん、うん、な、何すんだよ父。そうか、忘れておったばい。悟空のやつ、信仰じゃ。孫よ、私に代わって神になってくれぬか。その資格は十分にある。二人で住むがいい。え、オラが神に。冗談じゃねえ、やだよ。あんな退屈なとこにずっといたらそれこそ死んじゃうよ。私の後を引き継ぐのはお前以外にはおらんのだ。ヒントンやーい。またおなー。そこにいや追いかけなくてもよろしい。いや、じいはできぬ。あやつはひとところにとどまる性格ではありませんからな。なに、そのうちさらに強くなってひょっこり現れるでしょ。強い。神様の誘いを断ってよかった。いてもつまんねえよ。それよかおらもっと強くなりてんだ。そんでピッコロよりさらに行く。天界強くなべか。さすがおらのだべ。頭どうせならピッコロよりもぶっちぎりで強い男になってけろ。ああよし、行くぞ。C'est la musique originelle de Dragon Ball. C'est quoi qui domine la fin quand même? À la fin, c'est la scène du Dragon. C'est qu'il y a pas de temps, hein. Ça en a bien, une heure de chacun. Ça fait 3 heures pour 15 euros, je crois. Après, le problème, et ça je l'avais déjà dit, je l'ai dit dans ma vidéo précédente, c'est que malheureusement, adapter Dragon Ball en. Combat, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas assez de combats titanesques sans humorer. Si, vraiment, il y a vraiment trois combats. Le premier arc, c'est contre Kida. Ah, si tu as l'interlude, c'est le 21e tournoi des arts martiaux. Alors, le seul combat qui aurait pu être intéressant. Montrer c'est le combat final entre Goku et Deku, voire même Goku contre le Jaguar. Pareil après dans la manche. Donc ça serait intéressant. Après tout l'arc du ruban rouge, ni
10 à part, honnêtement, le combat contre le Tai Tai est très impressionnant dans la chose. Là par contre ouais, là ça commence à devenir très intéressant et ça commence à devenir très grave. Le tournoi très grave c'est juste après vraiment à la fin du 22e tournoi des Amorceaux. Là pareil, tu n'as pas quelques combats, mais tu as le combat contre le roi démon Piccolo qui est vraiment très impressionnant et qu'on a fait au début de ce DLC. Voilà, on a fait ça, le premier combat qu'on a fait. Et ensuite, ben, les combats, les zones de combat dans la. Donc grosso modo, là, on tout est pour tout, je crois qu'on a fait, on s'est été découpé en plusieurs parties, bien sûr, on a fait 4 combats. Ouais, et encore, je compte pas, j'ai pas compté, 3 combats on a fait. Je compte pas, en tout est pour tout, on a fait 5 combats. Comptant le combat contre le roi de Piccolo, le combat contre Taiyo Baba la première fois et ensuite la deuxième fois. Et après ça a été le combat contre Tenshinhan et ensuite mais c'est parce que c'est les moments clés de cette arc là, de cette fin de cette arc. Donc là c'est bien qu'il en faut. Alors comme j'ai dit, j'aurais kiffé. Alors, vraiment, un combat beaucoup contre Shishi, mais je crois que c'est parfum, mais c'est un délire. Après, ils sont restés, par contre, ce qu'on peut pas leur reprocher, c'est qu'ils sont restés fidèles à l'anime. Ça, c'est sûr et certain, il y a toujours des légendes de combat, parce que du coup, le combat contre Tenshinhan, le combat contre Piccolo, ils divisent en plusieurs parties. 3 parties, le combat de terre, 2 parties de Tenshinhan, mais ça on le sait, parce qu'il y a un moment donné, la sainteté, par exemple, de Tenshinhan. Je savais qu'à un moment donné, il allait faire pour être plus léger. Donc je savais qu'il y avait vraiment une partie. Piccolo, quand tu connais les combats, c'est que tu as 3 parties qui vont être marquantes. Mais voilà, après, le problème, c'est qu'il y a énormément de blabla pour peu de séquences. Voilà. Mais encore une fois, ils ont respecté l'œuvre de Dragon Ball, ils ont respecté l'œuvre d'Akira Toriyama. Pour moi, ils l'ont bien adapté. Mais voilà, manquait peut-être un peu plus de combat. Voilà, je crois que j'ai aimé contre Yamcha, mais ça ne comprend pas dans le jeu, mais là, contre Yamcha, contre le combat prochain, j'aurais aimé faire le combat contre Shishi. J'aurais aimé contre les Krillins qui combattent tout le monde. Voilà, ça, j'aurais aimé. Ça aurait aimé plus de suspense, mais pas plus de suspense, et plus d'ambition dans le jeu, ça aurait été plus intéressant à faire que vraiment faire des points clés. De l'histoire. Parce que tu me fais le combat Tenshinhan contre Taiyo Baba. C'est pas le combat le plus impressionnant de l'anime, c'est pas le vrai combat. Et tu me fais faire ça, fais mieux tout le reste de Taiyo Baba. Contre Shishi, Krillin contre Piccolo, Yamcha contre Shen. Finale, Goku contre Tenshinhan. Tu nous fais le demi finale, mais en masse, c'est pas possible. Parce que là, c'est bien résultat. J'ai rien de faire le final chaîne contre Piccolo. Mais c'est pas possible parce que ça respecte vraiment la lignée. Mais j'aurais aimé avoir ces combats-là. Ouais, ça aurait été beaucoup plus classe. Et j'aurais moins passé un temps entre l'autre, me dire est-ce que je joue à un jeu vidéo ou est-ce que je regarde un épisode de Dragon Ball. Parce que c'est le cas, c'est la question que je me posais, c'est parce que je voyais le temps défiler et plus je voyais le temps défiler, je me disais à quel moment je sors de l'épisode pour jouer. Parce que là, dans tous les restes des arts qu'on a fait, il y a des scènes d'action, il y a des moments clés, il y a des moments forts,
以后当着他打不打不上人呢但是我难受你觉得这个大方的生存Mais entre conséquences de l'orgue et la prochaine, tu as au moins, je sais pas, des fêtes avec son frère, tu peux te promener, tu peux te balader. Ça, ça rallonge un peu la durée de vie. Et là, je trouve que c'est dommage parce que du coup, on est cantonné vraiment au maître d'une tournée de l'ambition. Ce qui est normal, de toute façon, ça, je rappelle encore une fois, c'est la partie des DLC. Mais j'aurais aimé qu'il fasse plus de quêtes annexes. Pas qu'une seule quête annexe, hein. Plusieurs quêtes annexes auraient été beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus d'action et d'interaction, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, ce qui m'a manqué, c'est en fait des combats. Voilà, je sais pas. À nous faire le 23ème tournée d'aventure, il faut que je me convoque. Et puis, bien sûr, le combat, encore une fois, il est intéressant. Alors, c'est là, on voit le mariage des fichiers. Mais voilà, montre-nous les passages les plus intéressants. Montre-moi ce que moi je voulais attendre dans un jeu vidéo, et pas ce que je voulais voir dans un jeu vidéo. Parce que là, tu te dis, tu regardes, tu fais. En fait, je suis dans cet épisode Dragon Ball. C'est l'épisode Dragon Ball. C'est pas le DLC Dragon Ball Z Kakarot. C'est l'épisode Dragon Ball. Tu es dans l'épisode Dragon Ball. Tu es dans Dragon Ball. Tu es spectateur. Tu regardes. Alors certes, tu fais les combats les plus importants, mais tu es spectateur. C'est-à-dire que sur 3 heures, je... grosso modo, parce qu'en plus, il y a zéro difficulté, j'ai aucune difficulté. Je pensais que j'allais avoir un peu plus de difficulté que ça, maintenant. Mais allez, sur 3 heures près de live en tout cas, en faisant un intro, ça, je vais avoir une demi-heure de jeu. Allez, 45 minutes peut-être. Et tout le reste, que des installations. Et avec ça, je me suis dit, attends, je me surpose, je sors le DVD, je regarde l'épisode, c'est encore beaucoup plus simple et moins long. Plus joli en tout cas, mais voilà, donc c'est un peu dommage là où les autres DLC sortaient un petit peu de jouer. C'était avec un des catanex, tu pouvais faire ce que tu voulais un petit peu, tu pouvais te promener Bardock, tu peux te promener l'histoire de Trunks, tu peux te promener, tu peux faire des catanex. En plus, ils ont rajouté la quête avec Shin derrière, donc c'était vachement plus intéressant. Là, malheureusement, ils ont voulu se cantonner un petit peu trop, je pense, à ce. À l'histoire, ce qui est vrai, attention, ce qui est juste, mais j'aurais bien aimé qu'il fasse plus de quêtes annexes à côté. Alors peut-être qu'on va en voir. Le problème de quête, c'est un peu temps de Son Goku et Lekin, sa proposition de tout puissant, l'invitant à lui succéder et s'envole dans son nuage magique avec Shishi pour passagère. Après, les adieux expéditifs à tout le monde par la recherche de mes aventures. Ah, par contre, j'ai dit peut-être d'une connerie, peut-être qu'il y a encore autre chose derrière. Je sais que l'anime ne se termine pas là. Il se termine avec le mariage de Goku et Shishi. Goku, aujourd'hui, c'est notre nouveau mariage. Ce nouveau mariage, je ne comprends pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on va faire le nouveau mariage. Hein? C'est pas bon? Ici, on va vivre deux personnes. お父から結婚祝いで家のホイポイカプセルをもらったし、どこに建てるか決めるだけでいいだよ。二人で暮らす大事な家だからな。場所にはこだわりたい。ほら、どこでもいいから、全部父に任せぞ。悟空さんも一緒に考えてほしいだ。夫婦ってのは、何でも二人で話し合って決めるもんだってよく聞くだよ。そういうもんなんか。だ、早速二人でいろいろ見て回るべ。ここなんかいいんじゃねえか。おらもっと静かなところがいいだよ。ここはちょっと落ち着かねえだ。そうか。じゃあここならどうだ。確かに静かで見晴らしはいいけんど、不便すぎるべ。きっと。え？じゃあここじゃ別荘だべ。修行する場所じゃねえだよ。あ、ça c'est le fameux endroit qu'on connaît dans le jeu et dans l'anime。じゃあさ、ここはどうだ？完璧だべ。まさにオラの理想の場
場所だ。そっか。いい、いがった。んだ、早速家を建てる。父、危ねえ。ぶっこんだ。全然すぐかしな。おう、怪我はないだ。ち、外したか。ぶっこしやすい。どいいやつめ。ねえ、危ねえだろ。なんでこんなことすんだ。俺たちはお前を消すように頼まれたのさ。こんなすごい武器までもらっちまってかなりおめろみてえだな、孫悟空さんよ。おめえら、おらこと知ってんか。そういうことだ。あんたが何をしたのかは知らねえ。消えてもらうぜ。OK、どこら辺でコンバートゲームして、アパコンツシングボール。強すぎる。もう武器を使ってもなんて。掘りに懲りたらもう悪さすんじゃねえぞ。おーい、君たち大丈夫。この付近でバカッと通報があって飛んできたんだが。もう大丈夫だ。悪いやつはみんな悟空さんがやっつけてくれたからな。なんと君は強いんだね。こいつらが手したことねえんだ。いやいや、重火器を持ってるんだよ、この男たちは。ん？どうしただ？こいつらは全員指名手配犯だよ。捕まえてくれた君には謝礼を渡さないとね。謝礼？なんだそりゃ。悪いやつを捕まえたからお礼がもらえるってことだべ。こいつらは3年前ピッコロ大魔王が取ろうとした時に刑務所から脱獄したんだ。その後もいろいろと悪さをしていたようだから捕まえてもらって本当に助かったよ。ははっ、いっていって。脱獄した悪党たちはまだたくさんいって。え、そいつらが中心になって仲間を集めたらしく、今では人数が相当膨れ上がっているんだ。そんな悪い連中がまだうろついてるなんて。君は腕が立つみたいだし、この悪党たちを捕まえるのを聞いてくれないかな。悪党たちを捕まえるたびにお礼をするから、近くにいる警官に話しかけてくれればいいよ。もちろん私に知らせてくれてもいい。私は普段都のパトロールをしているよ。ああ、そうだ、もし悪党の発見情報があったら君に通信で連絡するよ。よくわかんねえけど、悪いことしてるやつがいたらつけりゃいいんだな。これに比べたら全然弱いけんど、修行の足しぐれにゃしねな。悪党をこらしめんのはいいことだけんど、気をつけてくれな、悟空さん。心配ねえって、こんな奴らには負けねえさ。心強いな。それじゃあ私はこいつらを連れていくよ。それじゃあ悟空さん、慌ただしかったけんど早速新居を建てるべ。なかなかいい家じゃねえか。悟空さんのおかげで最高の場所に家ができたべ。
でも、さっきみたいなことがあったら、のんびり新婚生活を楽しむのは無理だな。あの悪党たち、悟空さんのことを狙ってるって言ってたし。そういや、そんなこと言ってたな。誰に狙われてるか、心当たりはねえのか。わかんねえな。Ces instruments et servent à briser ce petit morveux de sang. Je vais faire appel à une bande de voyous pour l'anéantir définitivement. Il est temps pour moi de conquérir le monde. Qui peut être ce mystérieux personnage qui convoite les dragons pour la suscité et embrassant beaucoup? Ah, ça, tout le monde le connaît, ce personnage. Vous êtes sûr que ça va marcher? Peut-être vous dites qu'il vaudrait mieux n'arriver. On l'a tous reconnu. Tous, c'est Tata Georgette. On le sait. Il avait dit qu'il s'en on a rien encore parlé au guide du championnat du monde. T'es sûr, le bordel de cette histoire, les fonctions d'édition ont été bloquées. Ah. Pas trop, oui. Quand l'entraînement à la dure refait l'histoire. Quand entraînement à la dure, entraînement à la dure a été bloqué. Ceci te permettra d'en découdre avec des adversaires plus puissants qu'auparavant. Utilise des piliers de lumière verte pour tester ce que tu as dans le ventre. Rejouer l'histoire, bon ça. Pas trop après avoir terminé. Tu peux accepter des missions de patrouille confiées. Tu peux essayer de gagner des combats de horde contre les gangs de voyous et va faire ton rapport pour remporter la récompense pour ton performance. Tu peux consulter tes projets en patrouille depuis l'option histoire du menu principal. Sur notre gang de voyous encore plus vicieux quand même. Impossible. Attends, on va essayer de faire ça. Des voyous isolés apparaissent également sur le terrain. En plus des gangs de voyous, approche-toi. C'est bon, voilà, c'est bon. Oui, ils sont aussi. Faut trop qu'on s'en fout. Ok, mais je. Ah, ça sonne de rapport. Tatakatara, hitana! Allez, oh, Xara, mon dieu. Non, non du coup, je suis pas descendu. Ah, mais il y a des quêtes annexes. Ok, très bien. Allez, écoutez, on n'a pas fini encore, mais on va continuer à faire ça. On va faire ça, puis on va pas t'en s'arrêter, parce que comme je dis, là, je suis un petit peu façonné. Mais ouais, donc on n'a pas encore fini, mais... よし、お前せつぶす力湧いてきたぞ。まだ死ぬぞ。悪いやつ。ちょっと行ってみっか。あ、めっちゃすごい。Ah oui, débutant 130. Ah, mais on peut gagner des trucs, d'accord. Ah, mais c'est cool ça. Ah, c'est cool. Ils ont gardé ce système là. Oh, c'est sympa ça. Système qu'ils ont déployé pour les autres DLC qui sont sortis maintenant. Je parle bien sûr de la bataille des dieux et de la résurrection de Twitter. On va essayer de les faire. Je sais pas si on arrive. Ah oui, c'est lui le roi du monde. Oh,
Ça, on est plutôt pas trop mal, donc on n'est pas à l'avantage en termes de difficulté, donc je suis pas non plus. Je suis trop fort que toi, en tant que je suis pas fou. C'est une minute qui fait. Je sais pas si on a gagné quelque chose. Normalement, oui, normalement, si je crois qu'on a gagné 2-3 trucs. Ouais, je vais pas tenter le niveau 50 maintenant. Parce que je crois qu'on n'y est pas encore. Mais là, de toute façon, on a un peu galéré, mais c'est tout à fait normal qu'on galère. Hein, attention. Mais ouais, je pense que l'idée d'arriver jusqu'au level 150, c'est pas une mauvaise chose, je pense. On va tester, on va tenter, on va prendre du temps pour le faire, je pense qu'on va... Bon, on va s'amuser un peu dessus. Gagne sans figure, ouais. Ah bah là, tiens, t'as une gang de voyous. Attends, je sais pas où ils sont. Non. Ok, c'est par là. Est-ce qu'on peut augmenter déjà le niveau? Oui, au sacré, c'est ça. 300, ah oui. 350. Ouais, c'est c'est pour ça que j'ai montré vraiment le niveau. On va essayer de faire ça pour voir. On va voir ce que ça donne. Ok. Ok. En plus, c'est une période de travail. Encore une fois. Explosion Z, ah tiens, les explosions Z qui sont de retour. Ah, il a 40 amis, après il est fort. Je suis une putain de pas du tout. Ah, c'est un bon pour le bon pour le bon. D'accord, on va faire ça pendant le prochain match, pendant le prochain live, avant d'avancer dans le sport. Juste pour voir si je compte pas. Au final,
ぶちのめすぜ。身ぐるみ入り。ぶっ飛ばしちまって、うん、やりましたな。Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo du coup. Qui aura duré 2 heures. Je m'attendais un peu à ça. Mais voilà, après ça a l'air très sympa ce qui reste à du coup le endgame de ce DLC a l'air très sympa. C'est encore quelque chose à faire, de toute façon, vous savez, je ne quitte pas en tout cas sans avoir fait les quêtes annexes, donc ça a l'air sympa. Après, on va voir ce que ça peut apporter, mais pour l'instant, j'aime bien le endgame de ce DLC. J'aurais aimé peut-être un peu plus des combats comme ça, tu vas voir, mais c'est pas grave. Bref. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé du coup cette vidéo et non pas ce live. C'est pas un live du coup. J'espère quand même que ça vous aura plu. J'espère pouvoir faire un live d'ici dimanche soir, ça serait cool. Pour le live des galériens, je dis ça, mais je ne sais pas du tout si je vais pouvoir le faire le live ou pas, parce que j'ai pas compris le système. Enfin, bon, c'est pas grave. Du coup, merci à vous quand même d'avoir regardé cette vidéo qui aura duré un peu plus de 1 heure. Et je vous souhaite à tous de passer un très bon samedi et un très bon dimanche. Et on se donne rendez-vous dimanche, normalement à partir de 21h30 pour le live des galériens avec notre ami Lolo. Passez un très bon week-end, je vous dis à dimanche soir. Ciao, ciao.